Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je suis au nord de Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Et si je me suis rendu ici aujourd'hui, c'est pour observer cette étonnante dalle aux ammonites. C'est une paroi rocheuse, une paroi de calcaire, où se trouvent plus de 1500 ammonites fossilisées. Les ammonites, c'était des animaux sous-marins qui vivaient il y a des dizaines et des dizaines de millions d'années de ça, à l'époque des dinosaures. Et donc, elles se sont retrouvées fossilisées au fil du temps. Et donc, cette paroi en compte un très grand nombre. C'est quelque chose qui est très réputé ici, et même ailleurs dans le monde, puisque dans les années 90, le Japon a voulu racheter cette paroi pour la transférer au Japon donc. Mais ça n'a pas été accordé donc il n'y a que des moulages qui ont été réalisés, qui ont été expédiés directement là-bas. Donc pour vous dire comme quoi cette dalle aux ammonites suscite l'intérêt, car au niveau archéologique c'est quelque chose d'assez spectaculaire, hein. Vous voyez toutes ces ammonites fossilisées. La plus grosse d'entre elles sur cette paroi fait 70 cm de diamètre. C'est quand même assez énorme. Donc, cette dalle aux ammonites a été découverte au 19e siècle et elle n'a été déblayée entièrement que lors de la seconde moitié du 20e siècle. Voilà, donc ça représente 350 mètres carrés où dessus sont fossilisées donc toutes ces ammonites. Il y a d'autres petits invertébrés qui sont également présents ici, mais pour 90% des fossiles, il s'agit donc d'ammonites. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez spécial. Tous les amoureux d'archéologie voilà, passent ici pour admirer tous ces fossiles d'animaux qui vivaient voilà, il y a fort longtemps dans nos océans, car ici toute la région des Alpes était il y a très très longtemps sous l'eau. D'ailleurs, il est supposé que cette paroi rocheuse était autrefois un fond sous-marin. Et avec le temps, le mouvement des plaques, cette paroi s'est peu à peu redressée, inclinée, pour être comme elle est aujourd'hui. Donc. Mais regardez tout ce qu'il y a, c'est quand même fou. Hein. Et encore, on est en bas de la paroi, mais quand on regarde plus vers le haut, il y en a vraiment des très grosses. Ce ne sont pas les plus grosses hein, que je vous montre ici. Voilà, regardez ça, c'est assez étonnant quoi. Donc voilà, si un jour vous avez l'occasion de passer par Digne-les-Bains, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est assez beau à regarder quoi. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, c'était une courte vidéo sur la dalle aux ammonites de Digne-les-Bains. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. The road stops bending.